Il est un peu moins de 7h ce matin et à peine arrivé à Rungis, François Hollande est déjà en mode petite blague. Ambiance détendue pour l'inauguration de ce nouveau pavillon consacré au bio. Plus de 5 600 m², fruits et légumes, vins, produits laitiers, tout y passe. Le chef de l'État déguste même une banane à la rillette. Poignée de main, selfie, une visite aux allures de campagne. Quand je dis que ça va mieux... À la tribune, François Hollande justifie son « ça va mieux ». Même quand ça va bien, on trouve que ça va mal. Ça ne veut pas dire qu'on doit être une forme de béatitude et de naïveté lorsqu'on est aux responsabilités. Sur le ton de l'humour, une nouvelle fois, le chef de l'État met en avant sa stratégie. Depuis d'ailleurs 4 ans, je ne cesse de faire des leçons d'économie. J'espère que ça ne mettra pas 25 ans pour porter ses fruits. Vanter la filière biologique pour mieux tacler Nicolas Sarkozy, qui avait dénoncé une boboïsation permanente de la politique agricole. Le bio, ce n'est pas, si je puis faire ce jeu, pour les bobos. Même s'il s'en défend, François Hollande a bien 2017 en tête. Il y fait référence, notamment dans cette séquence. Je ne sais pas si nous serons le 1er mai ensemble l'année prochaine, mais nous l'espérons tous. En attendant, le chef de l'État va multiplier les déplacements sur le terrain. Après Rungis, François Hollande sera jeudi en Seine-Maritime.